Chers amis, bienvenue dans votre live sur Aganesha. Ce soir, nous abordons un sujet très passionnant de nos langues et des mathématiques. Le titre de l'émission en polar est peut porter l'émission en polar était Le polar peut-il porter la science? Et les gens me l'ont beaucoup reproché à juste titre. Évidemment que la réponse est oui. Et on m'a dit que cette question était dépassée, déplacée. Que chaque peuple produit, exprime la science à travers ses pratiques culturelles quotidiennes. Et on l'a tellement dépassé que notre invité ce soir a écrit 900 pages de mathématiques en polar. Le premier tome est sorti en 2019 qui s'intitule Gande Hissive. Et son auteur, Mohamed Si, nous a fait l'honneur d'être là ce soir avec nous. Mohamed Si, bonsoir. 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 Et évidemment, je ne pouvais pas faire cette émission sans le grand Halien qui est Poulard, Ablaye Jamhiri modon. Cherno Jamhiri. Jamhiri bandiraɓe calminama on juurama on jettama on manama kon mbiyama kadi bisimilla moɗon e ngoɗo ayaw Facebook et page Aganisha o. No wirini noon kadi hande en ngarti ɗo ngam kadi haalde kadi e goƴaji rendo meɗen ɓe mbiyata caɗele sabu wona caɗele wiyete ko goƴaji rendo meɗen e hande noon kadi en ngari haalde haala ƴewde ɗemngal pulaar ngal no Hawwa wirini eto batte karallagal e gande kese ko wiyete les nouvelles technologies ko en mbaɗani noon kono en gorani par ce que ngadduɗen ko joomum ngadduɗen ko bawɗo haalande men ɗum sabu wonko waɗi hen ha yiya ha golle ɗe kadi cettini ɗum noon hande bismiɗen ko Mamadou Sy walla mbiyen docteur Sy walla mbiyen pullo gaynako ko noon Fuutankoɓe mbimo ɗum noon pullo gaynako min calminima min juurima mi salmitima ko wona ɗum ko hande namdalam gadortomi tan Hawa bismillah. Juste si Mohamed, s'il est d'accord un tout petit peu, nous on a une tradition, c'est qu'on laisse les gens se présenter et puis dire un peu ce qu'ils ont envie de dire sur eux. Est-ce que tu es d'accord d'honorer cette tradition chez Aganisha? Ah oui, avec plaisir. Avec plaisir. Tout d'abord, je voudrais vous remercier, toi, pour l'invitation. Abdoulaye pour avoir bien voulu aussi être présent et je crois que notre échange sera très riche parce que vous êtes des journalistes de très haute volée. Et moi, je suis Mohamed Si, pour le Gaynab, Abdoulaye l'a précisé. En ce moment, je travaille aux États-Unis à l'Université de Virginie. Je fais de la recherche en mathématiques. Mon sujet de recherche s'intitule les équations d'Hervé partiel. Ce sont des équations qui régissent beaucoup de phénomènes physiques que je m'intéresse particulièrement. Aux équations qui régissent la dynamique quantique non linéaire, la mécanique des fluides, dynamique des fluides en particulier. Et un peu de la biologie moléculaire. À côté de ça, je suis très intéressé par la question des langues africaines parce que je pense que c'est l'une des problématiques essentielles de notre siècle, surtout pour les jeunes Africains. Et donc, comme vous avez déjà présenté tous les deux, j'ai fait un livre qui est découpé en trois parties. Dont le premier à Paris juste il y a un an. Et donc les deux autres viendront bientôt. Ablaye. Ɗum noon min nani kono so Allah jaɓi ma en ƴeewa artude e kon présentiɗo ko fof ma o artu hen e nder jewte amen e o haala ɗum e pular. Seydi Sy no mbiɗa ni an jaruɗa koto batte mathématique so tawi hande kadi ma yimɓe jaafo men saabu ma won kelme ɗe kalɗen min to battam gay mi alanaɗe e ɗemgal pular kono so ceernamo ɓayde kañum noon ɗo hucciri ma artiran min ɗi e pular holno ɗi mbiyete somi namdima tan jinmi wiide ko mbete hande sa naate nder Afrique e nder dowlaji meɗen no gonirɗen ni hande walla e fina tawaji meɗen mbete wonko tawata hen ko wayno ko wiyete kedde e nder hanki hiisa
mathématiques no mawbe meden gadorino wala no mawbe meden balanno wala no mawbe meden gurduno be ganduden be ganduda wandani les nouvelles technologies kono non e be jogino fannuji mabbe no be betirta e be jogino fannuji mabbe no be ki sorto donc ko les mathématiques mais ko à l'ancienne donc kambe beden mawbe e beske hande e der Afrique hayso fof itama ko be biergo be choppi ledde be duppi baram lefi kono ber haajun dadi di nan don keddi di nguri so dadi di nguri gadi holtude bay tawede merede mbaa rosé Tigri ɗum ɗo ko namdal patam lama no biɗa ni ko ɓe sikki e nder namdal ma jabol gol nani hen ko Ibrahim Sarr wino ɓe choppi no wiyete leɗɗe berem lefi ko ja kono ɓe jedditi ɗeɗɗi maya ɗin ɗaɗi en tawe e nder pine meɗen takke gande gonnode nden gande tigirigi tawana gande tan kaldetede nini ene tawe hande e nder demde men e nder pine men to bange mandeji mudum pine men to bange mahanteji mudum e pine men to bange demde kaletede nder mon mi hokkuma do yeruji sed lay pijirloji sa jetti fijirde wiyetende tengo aɗa andi ko woni ɓe siki heɗiɓe en ɓe hewɓe hende kaɓen pijirɗum ƴettata ko kaaƴe jeegom ene wonde hayre wonde weddetende dow mboolu ngu eɓe pijira ɗum e nder hen holko sukaɓeɓe mbaɗata ɓe peccitto kaaƴe jeegom ɗe ɓe gidoro ɗiɗɗi ɗiiji ɓe dewna hen tattatiji ɓe dewna hen nayi ɗiɗi ɓe dewna hen joyi goto ɓe puɗɗo mobde fofof ɗum ene woodi e hiisiwal wiyete ko partition d'un nombre ko peccugol limoral ɗum ɗon ko saɗede ɓurnode mawnude e nder hiisiwal woni ƴettude limoral ƴeewe mbaadiji muɗum no feccorto fofof won hiisiyanke gandaɗo mawɗo ene wiye Ramanu Jean ene jeeyi hiisiyankoɓe ko endanaɗo ene jeeyi hiisiyankoɓe ɓurɓe mawnude e nder tarik omo jeeya e golliɓe hen ɗum andinimo yimɓe fof ɗum hokkimo inde ɗum ɗon ko goo e partition d'un nombre woni peccugol limoreje eɗen jogui pijirloji ene battini ha joni e pijirloji meɗen firti ko ɓaade ɗum ɗo wawi heddade ko wonno ina maayi ko ɓurno ɗon ngarɗude e timmude mi ƴetta yeru ɗimmo sa ƴetti woli ko ganduɗa wonde ene heewi ɗum ɗo pecce muɗum enen feccere nde ganduɗen nde ko ɗiɗo pijjata ɗum goto fof ne jogui cawli muɗum ene jogui no ñamirta kaaƴe ɗe holko woni ɗon woni ɗon koko hiisiwal wiyata arithmétique modulaire hande ko kañum daɗɗi ko wiyete cryptographie woni kala gandal tambigal pinle woni les codes hande ɗo joni sen mbawi haalde walla sen mbawi windodirde taw fof ene woni e nder sirlu ko ngal ɗon sirliwal sirli bindiwal ngal e sirli silowal ngal ko kañum daɗɗi ɗum ete ɗum ɗon fof ne hutoroɗe ɗo gueɗe ko arithmétique modulaire woni ɗon nde tawno gonta ko weccidde kaaƴe ɗe aɗa firlitoɗe kono noon no pirlitoɗa ni gonta ko yaade aɗa arta nden noon ko kedde peccugol ngol ko ɗum ɗon woni ɗon woni reste de la division ko ɗum ɗon kiisorɗa ko ɗum wonata ko kiisorɗa ƴeewa holko mbawɗa hen ñamde ɗum ɗo ko yeruji seeɗa kono yeruji goɗɗen goodi e nder pinal meɗen sa ƴetti hande ko wayno ko wiyete diñorde joyi woni base 5 enen aɗa andi sen dimi mbiyeten ko goo ɗiɗi tati nayi joyi yimɓe puɗɗitoyo joyi goo wonti hande jeegom joyi ɗiɗi wonti jeeɗiɗi joyi tati wonti jeetati joyi nayi wonti jeenayi puɗɗen addude sappo ko noon yimɓe ndewirta ɗen garta sa ƴeewi hay e nder fawi koye nokkuji kono hay e nder nokkuji meɗen eɗen keewi innitorade noon hay ɓiɓɓe meɗen sen ƴetti worɓe ɓe yimɓe lima ha joyi yim puɗɗo artude
en woodi won diñorde wonde jeedidi ndi yimbaɗa sa ko kalami ɗo ko ko mbiyaten Hammadi Samba Demba Yero Paati yimɓe keewi wadde ɗum saha ne mbaɗa en jogi ɗum ɗo goɗɗo diñorde wonde yimɓeyde hen dello e job kon noon to rewɓene ko noon sira pen kumba takko daaɗo jeegom joyi jafuɗe kam honnon mi hanɗo yeruji hade meɗen juutde kono jimmi wiide ko battine ɗe kaltaɗe batte ɗe kalta wonde kutorgol gandal e oɗon saaha ene heddi ha joni takke muɗum ne jiite ha joni gilayi geɗe mandorɗe woni ɗe ganduɗa wona mahanteje ha e geɗe mahanteje ha e juɓɓudi rendo fof ene yiite hen no mbiɗa ni wadde firti ko ɗum ɗon so wurtinama ko mbiyaten génération aji wadde yontaji garoyoji ma mbaw naftorade ɗum ma mbaw andude ɗum saabu hande ko hunde nde ganduɗa ko wiyete ko hayso ɓodaki ɓoraki e juuɗe meɗen ha laaɓi so en ndenaki way kono ko hunde esde ɓoccitade men ni beete ane miijo maɗa ɗum ɗon so jaggama hisnama ma yontaji ɗi mbaw famde yontaji gonɗi hen ɗi kono noon kadi yontaji garoyoji ɗi ma mbaw tawde ɗon mbasa tan so gari tawa hankkanti wonti holdarde mere eyo ɗum ɗon ne foti toppitede ene foti toppitede saabu ɗum hoko firti ene jogui fayidaji fayida gadano ko firtude won penale ɗe ganduɗa yimɓe jeppidino hawi ɗum e leƴƴi mbadino leƴƴi meɗen leƴƴi meɗen wurduno en jogui min tanteri ɗi ganduɗa koɓe ndewno won goɗɗi jogiɗi min tanteri won joginoɗi ɗum nde kotal rendo waɗi nde tawno min tanteri meɗen mbi ene seeɗa min tanteri keddin ndi won ƴettunoɓe tan mbi ndi min tanteri ndi woodani ndi moƴƴani nde wona min tanteri final wona min tanteri neeso wadde alay saago neesuuji ɓamtinoɗe bangeji goɗɗi gadde pawte meɗen wadde ko kalmi ɗo joni ko gueɗe ɗe ganduɗa pirtoje ndeɗon fenade wonde neesu ngu ganduɗa ko sañingu neesu ngu ganduɗa ko luggingu fawinongu e gandal no gandal yaranno nden gandal noon yahata tankene ɓeydo nde gandal yaranno nden nguɗon neesu kewino wonino e nder leƴƴi meɗen ha battini ɗum ko goo wadde ko firtude fenade toɗɗinde dartol ko refti hen ko hande sen jiɗi yiide janggo sen jiɗi heblude janggo alay saago yimɓe ƴetta ɗiɗo ɗaɗi keddiɗi yimɓe putniraɗi gueɗe ɗe yimɓe joftoɗe gueɗe gandal gueɗe karallagal gueɗe ɗe ganduɗa ko juɓɓudi rendo fof ko ɗo yimɓe mbawa rendo wawa ɗuggitede dotte wiye won tawte ɗaɗi goɗɗi wadde ɗiɗo ɗaɗi alay saago ɗi sambine ɗi biltine yimɓe oncirade noon e mbadi wawdu daɗɗade hande gandal to yaroo e no sifa rendo foti waade Je vais poser mes questions un peu hen pour hen faraise pour Haldison pour Anthony par exemple la science c'est à dire que c'est un mot latin qui veut dire connaissance donc on peut traduire en polar comme gandal c'est des études des faits vérifiés exprimés par des lois. Est-ce qu'il existe une manière de faire de la science qui soit spécifique à une culture, à un environnement, ou est-ce qu'il y a des différences et comment on explique ces différences et quelle est la manière de faire les mathématiques, les sciences en général, chez les Africains et en particulier chez les Peuls? Oui, ça aussi c'est une excellente question. Alors, il y a une chose, la méthode scientifique, elle est universelle. Heureusement d'ailleurs, c'est pour cela que c'est ce qui confère à la science toute sa validité. Maintenant, il y a toujours une touche culturelle qui vient déjà dans l'éducation, dans l'acquisition de la science, dans la méthode d'acquisition, et même dans la façon de faire de la recherche.
il y a toujours une touche culturelle qui vient seconder, même pas seconder, mais juste rejoindre cet aspect universel de la méthode. Alors, je me rappelle que quand j'ai ouvert mon projet du premier livre en Poulard, Bindan Hiss and Forge, c'est celui-là, qui est sorti en 2016. L'une des motivations c'était une motivation secondaire, mais quand même une motivation, était de voir comment le Poulard pourrait en fait discuter des mathématiques, pourrait faire les mathématiques. Parce que quand on fait des mathématiques, on voit par exemple que le système français est un système de formalisme. On aime bien créer des définitions formelles, faire des théories extrêmement, basées sur un formalisme extrêmement pointu. Et d'ailleurs, un groupe qui s'appelle Bourbaki l'a bien montré. C'était un groupe, je ne vais pas revenir sur ce groupe-là, c'était un groupe de mathématiciens qui a reformé les mathématiques en France et a eu beaucoup d'influence dans le monde. Mais si on regarde du côté des anglo-saxons, c'est plutôt un certain pragmatisme. Ce n'est pas axé sur un formalisme qui se veut coûte que coûte parfait, etc. C'est plutôt, on a envie de faire quelque chose, on introduit un concept et on fait ce qu'on veut. D'ailleurs, ça se voit sur, par exemple, la théorie des distributions, c'est une théorie nouvelle, extrêmement pointue et extrêmement belle, qui a valu au mathématicien français la médaille Fields, ce mathématicien s'appelait Laurent Schwarz. Et cette théorie est basée sur des concepts que les Anglais connaissaient et les Russes connaissaient, parce que Paul Dirac avait fait quelque chose de ce genre et Sobolev avait fait quelque chose de ce genre. Mais c'était dénué de tout formalisme, c'était juste du côté pragmatique. Et quand Laurent Schwarz est venu, il a fait le formalisme à la française et ça a fait quelque chose, ça a fait ressortir des aspects qui n'étaient pas là et la puissance de cette théorie lui a valu la médaille Fields. Juste pour vous montrer à quel point les points de vue peuvent être différents sur les mathématiques et ça peut occasionner d'autres choses. Alors, si on regarde les Asiatiques, c'est plus le minimalisme quand on fait des mathématiques. C'est beaucoup, quand on regarde les mathématiques japonaises, c'est du minimalisme. Leur analyse fonctionnelle est très minimaliste. Alors, maintenant, devant tout ça, je me suis demandé, mais alors, si on veut le faire en Poulard, qu'est-ce qu'on aurait comme ligne directrice? Et c'est comme ça que je suis tombé sur les classes nominales. J'ai compris que toute notre affaire est une affaire de classification. Et d'ailleurs, mes livres l'utilisent beaucoup. C'est plus une philosophie, un art de faire les choses. Alors, donc, ça nous ouvre vers la classification et je vais vous expliquer ce que c'est que la classification. La classification, c'est ceci. Alors, si vous regardez le français, vous avez une organisation autour du genre. Tout mot en français a son genre, masculin ou féminin. C'est ça, c'est comme ça. Alors, en Poulard, on a plus d'une vingtaine, alors c'est 27 ou 25 selon les parlés, mais c'est en moyenne 24 de classificateurs. C'est-à-dire que les mots en Poulard, on peut leur associer une classe parmi 24 qui existante. Alors, mais ce qui est important, ce n'est pas juste de savoir qu'il y a 24 classes. Ce qui est important, c'est de savoir comment travaillent ces classes-là. Et c'est là où ça devient vraiment intéressant pour la science. C'est que, en Poulard, on classifie les objets physiques selon leurs propriétés, selon leurs propriétés géométriques ou les propriétés physiques. Par exemple, quand on prend les liquides, la classe attribuée, c'est dame. C'est comme ça qu'on, par exemple, l'eau, ça va être ndiam, l'huile, ça va être nebam,
le sang, ça va être iyam, etc. Donc, vous allez avoir dam, 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 ilam pour la crue, etc. Et ça, c'est extrêmement important. Et quand on voit, par exemple, les objets qui ont une certaine rotondité, c'est plutôt la classe de nde, comme yitere, c'est l'œil, la tête, c'est hore, la graine, c'est abere, le caillou, c'est haire, l'étoile, c'est hodere, etc. Tout ça, c'est nde. L'ongol, c'est plutôt les classes filiformes, etc., etc. Bon, et plus mathématiquement, on peut, par exemple, remarquer les dimensions. On a parlé tout de suite d'ongol. Ongol, c'est la dimension 1, c'est-à-dire quelque chose qui n'a qu'une longueur. En tout cas, quelque chose pour laquelle la longueur est plus visible qu'autre chose. Et donc, l'ongol, ça va être attribué à laoul, à léboul, à garoul, à bougoul, etc. Donc, des choses caractérisées par leur longueur. Alors que les choses caractérisées par leur étendue, des choses de dimension 2, c'est plutôt longo, ça va être le djungo, ça va être le seno, c'est-à-dire le désert, ça va être le mayo, c'est-à-dire le fleuve ou la mer, ça va être le nyorgo, c'est donc le vent toujours étendu, ça va être le dago ou le leso, c'est-à-dire la natte étendue, dimension 2. Et quand on prend le volume en dimension 3, c'est plutôt le ndu, comme le soudou, c'est-à-dire le contenant, ce qui peut contenir le soudou, le redou, et le boliru, le hudusuru. Boliru, ça veut dire la bouteille, le hudusuru, ça veut dire outre, l'outre, et on peut parler de fandu, une bulle, etc. Tout ça, c'est des objets, c'est des formes qui peuvent avoir un volume. Et ça, c'est une caractéristique extrêmement importante pour la science. Et faire de la science en Poulard maintenant, quand on veut faire de la science en Poulard, on a un avantage. On a un avantage extraordinaire. Déjà, encore une fois, si on revient sur l'histoire, etc., ça peut nous dire quelque chose sur l'activité scientifique de nos ancêtres. Ça peut nous dire quelque chose, mais je laisse ça aux historiens. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir. Vu que ce qui m'intéresse, c'est l'avenir, je me dis, OK, voici la science qui fondamentalement est un procédé de classification et voici une langue qui procède fondamentalement par classification. Alors, les amis, je vous invite juste à me dire qu'est-ce qui est adapté. Je pense que je suis un petit peu en avance sur la question, je crois, mais ce que je veux dire par là, c'est que non seulement le Poulard fait la science, est capable de faire de la science, mais ça, c'est une réponse de principe, c'est que toutes les langues sont capables de faire de la science et elles ont le potentiel. Mais ce qui est important, c'est de savoir comment, c'est la méthode. Et je viens juste de vous dévoiler le premier ingrédient de la méthode à suivre, c'est-à-dire utiliser les classes nominales. Bon, vu que j'ai pris un peu de temps pour expliciter ce point, je vais juste vous dire, mais vraiment, juste par le nom, l'autre chose qui est extrêmement important en Poulard, c'est la dérivation. Et ça, peut-être qu'on reviendra dessus si vous êtes intéressé, mais c'est la façon d'étendre un radical et d'en créer d'autres en utilisant des suffixes ou des morphèmes de dérivation qui sont très nombreux en Poulard, une bonne dizaine de morphèmes de dérivation qui ne font que repréciser le sens, étendre, etc. Bon, je m'arrête là sur cette question. Ah ouais, si tu veux rebondir. Vas-y, Ablaye, vas-y. Hey, Kokala, ko Mashallah, Yubi. Ndeysan no biida ni wongo ngoppude na heewi en ngoppi ko jeyno den en batti jangude arab bonani en batti jangude anglais bonani en batti jangude farayse bonani nandalam ko enen bibbe fulbe hol ko basden ngam wasde jangude demgal meden e iedon hise wala deedon gande wasde min jangude deedon e demde meden wasnen ko heewi ko adi fof
hebi bilde heddaw mon hakkunde meden e gandal ko adi fof hebi bilde heddaw mon hakkunde meden gandal sabu hande kalten do ko kalden do jonjon ko woni pelle inde woni pellinagol wala pellinagol demgal meden gal ko hunde de ganda so hutorama e gande en webtinanno ko heewi joni en itti dum wala en kutoraaki dum en delsindima dum en kutoraaki dum e jogdo e joggol gande en ettuyi goddum wala goddum fawaama e meden wana ni en jehi ettoy dum ko fawaa e meden ko fawaa e meden ko adi fof alay sago dum waawe dum ko go nde mbaawen hebde hen hunde ga mbaawen hebde hen gande sabi wonde ene wiye sai wawde gandal sai yidi wawde hisiwal ton jarumi ko dum ƴettammi no yeruni sa yidi wawde hisiwal ko ma ndewnoda e faraise wala anglais nde mbaawa wala demgal gongal wala arabere ko wayno ko adi fof ko wasde andude holto dum do iwri sabu so tawin ko andude holto dum do iwri sen duttima duubi temedde joyi caggal wona demgal faraise wana demgal arabeer njafdon wana demgal englaire ala hen fof dondi nongal gande kaltede jondi hala ko non kam ni wiye ko demgal gandal ay hitande ujunere temel joyi e chapantate jeego woni 1536 waji goto warama Angleterre o wiyete ko William Tyndale holko warimo ko firde deftere bible e anglais anglais wiyeteno ko langue vulgaire woni demgal mbedda gede diine mbawa haalede hen ko non warda wadde jimmi tan ko yimbe miijo hande demgal beteengal jaaliya dunhe holno jaggirano sen duttima seeda e der tarikh hala ko non ken wiye hande anglais hankatin fofof ko hen wonata on warda ko dum don o dedda laamu nyaawimo diddimo warimo wardimo deddere sabu o wadi dum do hitande ujunere e temedde joyi e chapantate jeenay won duubi tati caggal warngo William Tyndale François Premier ko kanyum wonno lamdo France ko ndeno jetti e yamirore wonde faraisere yo addu watte demgal lawdine watta hutorede e nder nyaawore watta hutorede hankatin e nder dawrugol leydi France e nder nyaawore o wi wonde ko neɗɗo sen nyaawe yaato kam ne waawi heɗede ɗemgal mum yaato kadi ene waawi faamde ko nyaawete ko e nder ɗemgal muɗum hannde noon enen neɗɗo ne nyaawe tawa ɗum ɗo kono ɗum ɗon ni ko bange tan e saɗende jimmi wiide ko nde François Premier nde ƴetti ngal ɗo pellital nde nden faraise haydara wona nden faraise yettaki to pular yetti hande ɗo faraise nden yettaki to pular yetti hande ɗo arabere nden ne jaalino nde tawno heɓino kam kene tolno e duuɓi temedde jeetati ƴellitogol gande nde tawno nde abbaside en ngari les abbaside nde ɓe ngari lamɗo maɓɓe biyeteɗo Harun Rashid lamɗo maɓɓe goɗɗo biyeteɗo Al Mansour ɓeɗo ko yimɓe yinnoɓe gande ko kamɓe pooɗi andunoɓe nden ɓe fof ɓe mbi yoɓe ƴeew ko kedde tawateɗe e nder deftordu Bagdad e nder deftordu defte gumminoɗe toon to grece ɗe gumminoɗe toon to égypte fof yoɓe gaddu ɓe mbatta e ɗemgal arab ngal ɓe pula ɗum ɓe janga ɗum ɓe mbittira gande kese beele mbawa ƴellitade so nani hande wiyeteɓe Averroes en wiyeteɓe Avicienne en fof ko hen giwi koye ngal ɗo lillungal anduɓe arabeɓe ay nden nde kalten naane 1500 e quelque hitande ujunere temedde joyi e hunde nden arab ɓurno jaalade laabi temedere sa jangi hande ko Copernic winduno mayi omo ruttoro hen omo waɗa référence woni omo hokka duttorɗe kewɗe e bindi ɗi arabeɓe binduno ko fate astronomie woni gandal koode ayi jimmi wiide
ko son ƴewi hande to aduno yartedo demde illitiide de wana non de baano sen duttima seeda hande latin burno den de don demde fof kono hande latin mayi ay ko dum wadi alay sagu yimbe paama gede hande fi yimbe gondo to yimbe jartedo demgal fof woni koy habede belene heba hakke mudum e der yellitugol aduno hakke mum de mbimi ay do joni faraise to yartedo faraise en huli maide nde tawno e be gandi anglaire to yartedo en waawi wirnude be warabe dum wadi be natini ko wiyete francophonie ko dum artirdum nde tawno de deuxième guerre mondiale gesse be jii holno tawno gonno ko hare ko wayno de be gasni de be jii holno anglais kon jaraade dum addi noyete francophonie ummitinede caggal mudum ew dum do fof jimi wittan ko ndedo hare dem sen bi wande eden dartindiro dum tan woni yitere yahore jonde wande e demde de e en doni faray sangatin e en dum nini dum ko waze luggidinde miijo mudum e der tarikh e waze woddinde soynande mudum eto faya to yimbe poti fande tan ko gedel gotel hande na demde de bayni wana non de baano ko demgal liggingal fof ko kangal jaaloyto jang demde de fof ni jidi jaalade de tawno ko bamtaare rendo mumen fawi do he enen nen se den jidi bamtaare rendo meden en yetta demgal meden wala demde meden afrique yimbe gabbinade yimbe jellitade mbele jangu meden ene waawa histe jon non holno dum wayat ma en baaw yewte fuu boy sende jonni may yaatu wodi juste est-ce que il y a un problème, est-ce que les enfants ils arrivent mieux à appréhender les maths, à les comprendre mieux si ils font leur apprentissage dans leur langue? Ah oui. Est-ce qu'à Wadi vous constatez dans leur expérience, est-ce qu'à Yihen on des couilles de femmes des mathématiques par exemple, parce que mathématiques il faut bien quoi par matin dum netide et tout ça. Est-ce que ce n'est pas expliqué à nous et dem gal mudum den burata wawde famde dum plus facilement dum don ne la kala dem ko bawgal wonde vitoy ni mbadama hen so neddo famminama dum e demgal mum burata yawde wawde de tawno e der demgal mum ne jogi kabirde de ganda kewde e kabirde toddide demdiyankagal kewde de ganda ene nandon ko adi fof so neddo ene jangine demgal ngal o anda ngal o wawa teere makko burata wonde ko e demgal he wonata e gandal ngal o yidi je ngal yimbe jidi janginde mo ngal ko e demgal he taw so alnamu hunde ko mawo jeew ko halna ko firti ko yidi joofade taw ko joofate ko dum yida ko andede yimbe gonani yidde andude so mi hokke yeru burata laptude so beda hala ledde mi hali dum e faraysere ko adi fof hakkille neddo mo ganda o wawa faraysere wonata koy andude arbro holko firti holko dum toddi le racine ko wonanno ko dadide ko dum to kadi wonko woodi won aduna goddo galdudo mo ganda kongol gotol ne wawi sabade dum ne wawi jibinde dum ne wawi yaltinde dum ko ganda wonde kanko wawata yidum so yama racine en wawi taw ko hunde wotere arata e hore makko so yama dadol ko gede kewde garta e hore makko dum don e der jangingol ne jogi faydaaji mudum kewdi ew dum don ko hunde tan de ganda fawi koy dembe de fof jonno sen garte pulare mi hali nane holno pular sanyori to bange pellina gol mudum de don gede min mi hutorima dum gam janginde e der dudal wura amen fodde bal sap koy vacances wonno
hewan kon balde sappo e der balde sappo jangin mibe mi jante rangaji woni la théorie des matrices e der balde sappo be janginabe dum don ko ganda wonde heewi jangede ko hitande adande sa hi université be don be en sadi hen goddo do jangde e faraiser to ha yetti college ne sadi hen kono de tawno wada ko demgal mabbe kono hojom hankantini kambe be jaabanta tan ko faamde ko halte ko wana rewnaade demgal he ha waawa yettoyaade dum do dum e ko sodorde mawde jiida non e ko kalannomi naane pelle inde ko de tawno so mi yetti do joni mi wi kofol kofol ko courbe dum woni kofol courbe coffre ko courbure voilà ewo so jinginabe ko faati e dum don ko faati jubbe bi woni les fonctions jubbol ko fonction so be jinginabe dum mi wi dum do ko kofol gasi so mi wi kofol tan e mbawi hon hojom andude ken tolno e chapande jena e der temeder al hali mo jimmi halde o ko adine ber arta hen so mi arti ngonam tan ko feññitinde mi wi won kofol non ko dum do woni kule mudum ko dum do ko dum woni andinore mudum ko ni yara ko ni yara ko dum woni pecce mudum ngartammi tan ko luggi inde e fama wemo bi jogi gadan saatu de be nani inde de ay ko dum don tawno so nani kofol be nawda dum ko garwol be nawda dum lebol be nawda dum ko kurb be nawda ko hankatini gasi won ko yalte ko e mabbe ha heewi e kene fammina be ko kofol ya mi yehi no banmi odo nde do jewndore wala jarri bor son jidi woni experience pensée ko jarri bor miijo nde bismanomi e dudal jaabi ha tirde cheikh anta jo hitande ujunnaaji didi e sappo e jeego 2016 woni jondu naypawdi mbimi be wande son jidi andude mbaw ko demde mere yette chukolel miijo de tan chukolel ngel ganduda ene wayi pular kono ngel meeda yiide boggol ngel meeda yiide dende ngel anda ko dum holko dum firti ngel meeda yiido jonnon etton suudu mehru firtindu lawani hayda badon ton dende badon ton boggol nelon ngel e pular baade ngel wayi pular mbiyon ngel yaado e boggol mbimi ene hasi so ngel yehi haydar hen ngel anda wadde so yi so ngel yii gede didi de hen hunde fof ne wayi wonde boggol goddum dun wayi wonden kono so yii hono hojom o wawad hertade ko foti wonde boggol ko add ko sabi nde tawno so nani boggol o nawdar dum ko e garwol nawdum e lebol nawdum e lawol nawdum bolol wadde ne jogi njuuteti so nani den o nawdar dum ko jogi murlaaw e dum don non firti ko demgal bawgal andinde neddo do anda bawgal jofanaade dum bawgal waynude dum hokka dum bainal gal ganda ni funnay hore mudum miijo wawde serndude woni gede ko don bawko demgal gal tolni mbimi be non nelengel e faraiser mbiyon gel va apporter la corde so yehi o wawata ko sabi sabu no faraiser gollortoni wana e mbadi ndido féminin et masculin corde ko féminin melon ko masculin melon won dend kono non ko yere masculin ko wawa yer e dend wawa yer ko kullel o hawa yete dum do ko yere féminin ko wawa yede boggol ko serndi dum to bangi jawdi to wawa serndu dum ay ko don halta woni ko wawde webtinde golle gandal ko dum don woni halka wadde ko adi fof mi tonga artude demde mumen dum ko demgal gal ko gal wayi wonde fof ko dum woni ko webtinta ko enen non e der pular eden jogi mbaadi ndi gollorto den kadi ene jogi webtinol kadi burgol don kadi timmude ngol ganda sen kootereemu dum en kootereemu dum e der bangeji gande burde luggit men baw awtade hen gede kesse e ganda ko pawdin den fe mi hando.
Alors, on arrive au deuxième thème de notre soirée, hein. Il y a un débat qui est assez, sur les castes, que je trouve, moi, assez légitime, hein. Je pense qu'on a tous vu sur Facebook. Vous allez me dire, mais c'est quoi le lien entre les sciences et les castes? Mais pour moi, déjà, lutter, c'est des expériences scientifiques. Mais les castes, c'est aussi des sciences technologiques. Je ne sais pas si vous voyez ce que je vais dire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est qu'à l'intérieur de des corps de métier qu'on a, je pense que c'est beaucoup plus propre de dire ça comme ça, que nos corps de métier, ce sont des classes de sciences technologiques. Est-ce que, en tant que mathématicien, tu es d'accord Ah, avec oui, moi? la division sociale du travail, et en particulier chez nous, quand on prend division-là, c'est une grande technologie, ça c'est sûr. Et une technologie qui a eu pendant son temps, enfin, à son époque, aujourd'hui évidemment il faut développer tout ça. Mais qui est une base, qui peut être une base, je parle du travail, hein, de la division, non vraiment des castes. Ça, c'est une autre histoire et voilà, on n'aura pas le temps. Mais le travail lui-même est extrêmement important et ça a eu des conséquences sur la langue. Aujourd'hui, on connaît. Ablaye est là, il pourra nous le dire, mais quand on prend juste l'eau ou les vagues ou les abysses, on a un vocabulaire énorme à cause du Tchoubalaw, de cette activité culturelle et spécialement développée par le Tchoubalaw. On a une richesse lexicale phénoménale concernant cela. Et ça, c'est extrêmement utile à la science et à la littérature et tout cela. Si on part dans l'élevage, c'est pareil. Les plantes et tout ça, on a une richesse lexicale et philosophique énorme. Donc ça, et sans parler, je ne vais pas tout citer, mais si on part chez les tisserands, chez les travailleurs du bois, les bûcherons, et tout cela, c'est une science extrêmement remarquable. Il paraît que les peuls, ils ont je ne sais pas combien de noms pour dire juste la peau de la vache, quoi, la robe de la vache. Ah oui, ah oui, ah Voilà. oui, et encore une fois, c'est un procédé de description. Et c'est ça qui est là. Enfin, je vais parler tout de suite du procédé de classification, mais il y a ce procédé de description qui est aussi un procédé extrêmement important dans la science. Et ce procédé de description, de distinction, parce que quand on décrit, on procède aussi par distinction, ça c'est extrêmement important. Et avoir une richesse lexicale capable de supporter ces processus fait qu'aujourd'hui nos langues sont extrêmement prêtes à discuter des choses. Et ce n'est pas seulement prêtes, sont extrêmement au point. Et il faut maintenant, voilà, le dernier pas qui est politique. Mais ta question est extrêmement pertinente. Je veux dire, cette division du travail. Je ne parle pas de ses implications sociales, etc., mais ses implications scientifiques et linguistiques ont une très grande valeur dans notre projet aujourd'hui, une valeur fondamentale. Et d'ailleurs, toute science qui va se développer en Pula ou dans les autres langues aussi, je crois que ça doit être valable pour les autres langues, mais en particulier le Pula, vu que c'est la langue que je connais. Ne peut pas vraiment négliger ce fait, parce que c'est vraiment ne pas mobiliser ses forces. Là, c'est une force phénoménale. Dans mon travail, j'ai beaucoup utilisé les radicaux venant de tous ces genres. Non, yimɓe paami ɗon
Seydi Sy ko be mbiyata ko ƴettude ko jeyi ko foftinde hoore muɗum joni noon to jiɗmi faade ko ɗemgal ngal mbere tan eɗen mbawi hofde juuɗe meɗen mbiyen tan ko pulaar tan ko pulaar tan namdalam ngal yiɗi joofaade ko so tawi joni onon haralleɓe onon anduɓe ɓe holno mbawɗon famminirde sukaɓe ɓe walla yontaji garoyoji ɗi ko son jiɗi explique de ko wayno wone kelme taw on mbaɗa natani ko farasiére ko la tradition littérale tan direct walla on jiggaki ɗemɗe anglais walla ɗemɗe farayse taw ko pulaar o tan ƴettuɗon o holno mbawɗon ɗe expliquirde ko wayno ko mbiyaton genre équation walla ko wayno variable walla kumɗo est ce que ɗum ɗon ma weɓan suka o hande hay mawɓe won koyeɗe ganduɗa hankkanti maro kewi yawraji walla kewi kaddi dene wonko mbawa teskade kono noon hol suka o ko wiyete équation ko walla ko wiyete ɗum ɗo o yiyanno ɗum koye ɗemɗe goɗɗe onon hande haralleɓe ɓe hol peeje jogani ɗon ɗum pour expliquende ɗum cukalel ngel tan mbeto wawa famde ko ɗum ɗo yiiɗi sifede ko ɗum ɗo yiiɗi joofede e somi ruttima eko kalla ɗo joni ko ah oui oui taw on natani e ɗemɗe goɗɗe ɗe taw on jigguyaki ɗe ɗon walla ala ko ma jigguɗon e ɗemɗe goɗɗe ɗe tan nde mbawon haalde ko jogiɗon ko mbere ko jogiɗen ko tan ne wawi harnude hoore muɗum walla ala ko ma goɗɗum ɗum jiggue nde wawa feñci oui c'est une question extrêmement importante non en fait la chose elle est comme ça tout d'abord il y a différents niveaux le premier niveau est le niveau de la structure d'ailleurs je n'aime pas et je crois que je l'ai montré dans certaines sorties le mot traduction dans ce travail qu'on est en train de faire le mot traduction non c'est pas de ça dont il s'agit et j'avais inventé le mot polarisation des sciences et pourquoi j'ai dit ça parce que c'est un changement radical de point de vue. La traduction voudrait qu'on parte du point de vue de la langue, par exemple. Nous, on est extrêmement connectés avec la langue française. Donc, pour prendre cet exemple, on prend les objets en français, on se demande comment on peut les dire, on peut les nommer en poulard. En poulard. Donc, on prend un objet, on dit, voilà, c'est comme ça le français, avec ses raisons, comment on le nomme en poulard. Je dis, non, ça, c'est... Non, il faut faire l'inverse. Il faut prendre le poulard, avec toute sa technologie, donc ce qui suppose de connaître la linguistique du poulard, et dire si le poulard veut parler des concepts, de la science ou de ses concepts scientifiques, comment le poulard, à partir donc de sa richesse, comment le poulard pourrait faire émerger des mots pour décrire telle ou telle chose. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que sinon, regardez, une langue est un point de vue sur le monde. C'est un point de vue sur le monde. Aujourd'hui, si le français nomme quelque chose, je ne sais pas, dit maison ou je ne sais pas, courbe ou je ne sais pas quoi, c'est à partir d'un point de vue, c'est à partir d'une certaine vision. Parce qu'un mot ne peut jamais ressortir toutes les propriétés de l'objet à désigner. Non, on n'a qu'un point de vue sur l'objet, il y a quelque chose qui nous marque, qui marque notre société ou notre façon de voir le monde, et on prend cette propriété-là pour nommer l'objet. Une autre langue peut voir une autre propriété et essayer de, voilà, parce que ça colle mieux avec sa structure linguistique, et essayer de sortir, de créer un mot qui reprend cette propriété qui est différente de l'autre. Donc, et ça, c'est quelque chose de non négociable quand on veut faire de la vraie science. C'est que la langue a sa manière de voir, a sa manière de se déployer, de faire émerger des mots. Et c'est un point de vue qui n'est ni plus ni moins valable que le point de vue de l'autre langue. Parce qu'en fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas les mots, mais les définitions claires, formelles de la chose. Donc, les mots ne seront là que pour identifier la chose, pour établir le premier contact. Et donc, c'est comme ça qu'il faut faire, la polarisation. C'est ça le concept, c'est ça qui est contenu dans le concept de polarisation. On prend notre technologie, on essaye de voir comment, par le point de vue du polar, comment nommer une chose. C'est comme ça.
Et ensuite, la définition, elle, elle est universelle. Aujourd'hui, si je définis une courbe en français, ça va être la même, ça va être le même contenu que si je définis la courbe en anglais, en CRR, en polar, en chinois, ça va être la même chose. Seulement, la courbe peut être appelée, parce qu'en français, on voit l'aspect curvilinéaire. Peut-être la courbe, c'est assez naïf comme exemple. Mais dans un objet plus compliqué, ça va être encore plus vrai parce que on peut ressortir une autre propriété que l'autre langue néglige ou naturellement voilà, n'a pas choisi. Voilà, c'est un peu ça la démarche. Voilà. Et maintenant, pour les mots, j'ai cité l'équation. L'équation à quoi ça s'appelle dire? Ça s'appelle Fotindirk, c'est un objet qui met en relation deux choses avec le signe égal, c'est-à-dire le signe de Fotindirk. Donc c'est Fotindirk, A égale B ou telle partie égale telle autre partie, c'est ça l'équation, Fotindirk. C'est-à-dire qu'il y a une équation, c'est Burburk. Il y a une quantité qui est plus grande ou plus petite qu'une autre. Donc, c'est Burburk. Etc. Tu peux faire, tu m'as demandé la variable, c'est Weyl-Pond, etc. Je crois que le gamin, ou je ne sais pas, l'étudiant. C'est tellement évident en plus, comme tu le dis, quand tu vas à Weyl-Pond, c'est ça l'affaire. Et ce qui se passe, c'est que si on essaie de l'expliquer, même quelqu'un qui comprend le français, etc., le problème, c'est qu'il y a toujours quelque chose, c'est ce que j'appelais head-down, là, il y a toujours une petite barrière qui change le statut du mot, qui lui donne quelque chose qu'il n'a pas en réalité. Le mot est là pour désigner quelque chose, pas pour le définir. Sinon, il n'y aurait pas de définition si le mot. C'est pour ça que dire, par exemple, français, langue scientifique, blablabla, tout ça, c'est des choses, c'est extrêmement exagéré. Ça peut représenter quelque chose, ça peut représenter 500 évolutions ou quelque chose comme ça, mais c'est extrêmement exagéré. Ce qu'il y a, c'est qu'on a une langue. Quand tu apprends le français, tu ne sauras rien sur la physique quantique. Demain, je vais dans le métro à Paris, je parle de physique quantique en français, seulement les gens qui ont fait de physique quantique vont me comprendre. Donc, il ne faut pas parler de langue scientifique ou quoi que ce soit. C'est tout simplement comme ça. Et alors que, voilà, si la personne, elle a appris physique quantique en polar ou je ne sais pas quoi, si je parle physique quantique en polar, elle va me comprendre. Si elle n'a pas appris physique quantique en polar, si je parle physique quantique en polar, elle ne va pas me comprendre. Par contre, si elle veut apprendre physique quantique en polar, elle a intérêt, si elle est polar, de le faire en polar. Parce qu'elle a déjà les mots pour désigner les choses, la structure, etc. Les choses vont venir plus naturellement, comme tu l'as remarqué, Tanum Lel. On parle aussi de, il y a deux, je suis aussi beaucoup là, les commentaires sur le live que je fais remonter, il y a, je crois qu'il y a deux jeunes, l'autre il doit être du Niger, pour le Niger, et l'autre il est de Guinée. Et puis du coup, ils sont en train de se dire, ouais, mais moi, je ne comprends pas leur polar, parce que là, évidemment que des fois, c'est parfois un peu compliqué de se comprendre, même si tout le monde pense que tous les peuples parlent la même langue et qu'on se comprend là où, partout où on est. Et il y a quand même des petites différences et puis il y a des fois des difficultés à se comprendre. Du coup, la prochaine question... C'est, est-ce qu'il y a besoin de moderniser la langue? Y a-t-il besoin de rendre la langue à traduire la connaissance scientifique? Où elle l'est déjà? Non, je ne crois pas. Je pense que... Alors, il y a une standardisation qui peut être envisagée. Ça, je crois que c'est... L'absence d'une académie fait mal aux langues africaines, mais ça, c'est une question extrêmement politique.
Regardez, en Afrique, il y a un sujet. D'ailleurs, je vais étendre ta question parce qu'elle est extrêmement importante. Elle cache, c'est l'arbre qui cache la forêt. Tu as parlé de la diversité des parlers en couleur, par exemple, ce qui n'est pas vraiment un grand problème. On pourrait s'étendre là-dessus, mais c'est pas. Mais la diversité des langues en Afrique, parce que ça, c'est l'argument qu'on m'oppose à chaque fois. C'est ouais, mais attendez, il y a des milliers de langues en Afrique, bla bla bla. Alors comment on... Bon, évidemment, il faut pas fuir cette question qui est extrêmement, je veux dire, légitime et d'ailleurs qui est extrêmement importante. Mais ce qui se passe, c'est que tout cela. Doit requérir, et c'est là où il y a le lien entre la lutte pour les langues africaines et le panafricanisme. Tout cela doit être considéré sur un plan international. Au niveau du pays, on peut faire des choses, hein, ça n'exclut pas. Mais pour être vraiment efficace, il faut faire des coopérations régionales. Il y a des langues qui sont des cibles premières, c'est les langues transfrontalières. D'ailleurs, l'Union africaine, dans son programme Académie africaine des langues, l'ACALAN, a bien identifié ce fait. Il faut que les gouvernements coopèrent, parce que à ce niveau, il faut vraiment penser africain. Il faut que les gouvernements coopèrent et essayent de mettre en place des académies qui standardise tout cela, parce que, par exemple, si vous prenez la langue Kulaa, aujourd'hui, il y a pas mal de choses. Il y a des mots, par exemple, que j'utilise dans mon offre, qui ne sont pas les parlers du Fouta Tor, qui sont des parlers du Fouta Mali ou d'une autre région. Parce que juste, ces mots-là sont plus précis, etc. C'est comme ça qu'il faut envisager la chose. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une langue qui, par l'enclavement ou voilà, la perte de connexion, a pu se diversifier. Et ça, c'est un phénomène naturel. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on est des groupes différents. C'est que le processus de diversification, il est naturel, c'est une tendance naturelle. Maintenant que tout se réorganise, il faut qu'il y ait une entente qui est au niveau continental ou quand même sous-régional qui puisse gérer ces choses-là. Ça, c'est vraiment l'idéal. Et là, les jeunes panafricains, c'est mon appel, il faut savoir que le panafricanisme n'aura aucun sens si on n'inclut pas cette question des langues. On ne peut pas redevenir maître de soi ou quoi que ce soit d'autre si on néglige les langues qui contiennent nos mythes, qui contiennent notre imaginaire, les langues qui contiennent notre avenir, parce que ça contient notre imaginaire. Il faut se méfier quand même d'une chose. La formation technique est une chose, mais la formation technique va te donner une composante qui est vraiment nécessaire si on l'a pas, on n'a pas grand-chose. Mais pour pouvoir être créatif, et c'est ça qui est important, il faut un imaginaire. Et cet imaginaire-là, je ne vois pas comment on peut l'acquérir si on ne considère pas les sources, si on ne considère pas tout ce qui est culturel, tout ce qui est... Et ça, c'est hyper important. Donc, je résume tout cela parce que c'est parti un peu dans quelques directions différentes. Cette diversité des langues en Afrique, il faut savoir une chose, c'est qu'en Afrique, il y a entre 50 et 100 langues qui sont parlées par plus d'un million de personnes. Donc, un programme d'éducation est, dans les langues africaines est parfaitement envisageable. Même si au début, on considère des langues parlées par plus d'un million de personnes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Au début, on peut même faire un seuil pour justifier un investissement. On peut dire, OK, les langues parlées par plus d'un million de personnes, on met de l'argent.
on peut penser que parce qu'il y a plus de 2000 langues en Afrique, enfin, c'est pas vraiment des langues. Parfois, ce n'est que des différences qu'on veut bien considérer comme des langues, alors que tout ça se regroupe dans un même paquet. Donc, parmi ces 2000, il y a moins d'une centaine, c'est ça que je suis en train de dire, ce qui veut dire moins de 2 langues par pays, parce qu'on est plus que 50 pays, on est 54, et donc c'est peu par rapport à ce qu'on peut penser a priori. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on peut penser, par exemple, et ça, c'est un côté vraiment, il faut se méfier de ce biais-là, que vu qu'au Sénégal, il y a une vingtaine de langues, en Mauritanie, il y a 5 ou plus, un peu plus, il y a, je sais pas, une douzaine au Mali, il y a que, voilà, dans les 3 pays, il y a plus de 40 langues. Alors que il n'y a pas plus de langues dans ces 3 pays qu'il y en a au Sénégal. Vous rajoutez, il n'y a pas plus de langues dans ces 4 pays qu'il y en a au Sénégal. Ce que je veux dire, c'est que les mêmes langues se retrouvent un peu partout. Donc, on programme, ce qui justifie encore un programme sous-régional. Un programme sous-régional est le seul qui est capable de gérer toutes ces choses-là. Voilà ce que j'ai envie de dire sur cette question de diversité linguistique et tout ça. Mais les détails sur les parler, ça se règle par une académie, c'est sûr. Min me mertu de namdal toko saltan dabal, parce que nana ongo kalda don en jugi no wadi ne yubi sede, jid mi wide. Ahali to wete ko meren ko pularulum ko totta di hunde wala jofa di hunde. C'est-à-dire que mbida do juni sa bitan e faray se hayso ko l'équation, c'est-à-dire que le mot équation wala odon mo o fitiran ko jofi me équation ko o fitali ko équation o ko fitiko bera do ay actude don kala na yimbe hol ko sendata jofade hunde e toddade hunde de ngam wadde sifade dum. Je comprends, ta question est plus philosophique. Sur le plan strictement linguistique, quand on dit toddade jofade en pular, c'est un processus qui est marqué par c'est la schizophrénie de l'émission. Je suis en train de te répondre en français alors que c'est voilà, namdal mangal ko namdal miti yankagal ko namdal ngal ganda so tawi tan ko demdi yankagal eden gande pular hol ko woni toddade e jofade. So vi nde hore e hore nde eren gandi ko tan ko toddi ko tan ko jofi wadde don ko demde ko banke dembi yankaga to banke joni mi tiankaga be sik to namdal mangal fay eyo joni alisa pamen ay do joni seden jidi jofade hunde en choklan. Way kon mi wima en gandondira poten a hollataam carte d'identité ma mi soxlaan andude hol date de naissance hol de jibinda no for pesata hol iwdi ma hol inde nen ma inde pam ma dum to dum don ko gede de ganda jeya ko andinore ma kono non be sokli tan gedel gotel inde ma Abdoulaye andude mi Abdoulaye addana Haydar andinani mi wonti tan hankatin be way jofradem Abdoulaye kono an ko toddoto mako ko andintuma tigirigi ko dum don nan mofti ko non demgal sertiri e gandal demgal ko hunden ganda en wawi jofanadem woni gede kono gandal ko dum andintuma gedal gal e ko don dum sertir heddi non ko no kaldirden nanini wanta demgal jogoto mbawk iwde tane jofade kono fuddade andindam ko dum woni ko yimbe kalno dum don non ko hunde ne jimi e pula ko hunde jitu mi e pula me andas tawi mbeda andi kam dum ala farais dum kam ko farais ko hunde de ko demgal ngal gandum mbeda andi dum ala hen sa anda hunde a jewa dictionnaire wala jewa dum to experience mo kalminane woni jarri bore kalminane de woni suka nelater yo ya atwe bokol walden don ko demgal gal andini mo ko anda
demgal ngal andinimo ko anda ɓoggol ko inde demgal ngal andinimo non hol hen ko woni ɓoggol ngol hol hen ko woni wadde ɗon ko hunde wande fayida nde ganduɗa wonde eɗen poti wattude hen hakkille enen kadi poti wawde andande ɗum koye meɗen yiɓe kutoro ay yimɓe wonko jimadi waɗi en moƴƴani wonko jimadi waɗi en moƴƴani jimadi itti hoolare e koye meɗen ɗum moƴƴani ay yimɓe toɓe goni rendo alay sago ɓe koolo koye mabɓe janggo mabɓe woni koye juuɗe mabɓe wonani e juuɗe hay goto kadi jooɗade sikka wonde ko ma heddiɓe mbaɗa nde ndewa hen walla ko ma heddiɓe longin ɗumen walla ɗum ne bone rendo no feewi ay enen ɗo joni ɗum jiiti wone gueɗe ɗum jiiti wone gueɗe eɗen gandi ɗemgal meɗen ne wawi ete min ko cikkumi ɗon ko ene wawi taw wonto farayse wawi gollade hunde taw kañum ɓuuri wawde gollade ɗon ɗemgal men mi anda sene woodi me hawnaki ɗemgal ko ɗemgal kono ko kalmi ɗon nane ko ɗum ɗone jotodire gandal no fewi ete ko ɗemgal meɗen ɓuuri ɗon jangtade e faray seere nde ɗum ko hunde so neɗɗo ari wi amin mbawi yewtide wona jinguere ko hunde wonde mi hokki dalilaji muɗum nane mbeɗa wawi yaltinde dalilaji ɓurɗi ɗon kadi sebde ko c'est en fait scientifique no yimɓe mbirta ni ene neɗɗo foof jimɗo hen foof ene wawi andirde ɗum wadde ɗum ɗon ken fotɓe nangtade hen juuɗe sappo yimɓe mbiya wonde ɓaade ene webtinana en gande yimɓe kutoroɓe gaga ni wonde namdal ngal ganduɗa wonde ko arwaniwal ngal wonde rendo foof foti wadde alhaaliji muɗum koye ɗemgal mum hay sinno noon ene haɗani janguinde ɗemde goɗɗe ɗe ganduɗa ne mbawi uddide ɗum e aduna ko ɗum woni ko mbiyannomi e nder tan konngol tan daɓɓol wonde jogade falantere en moƴƴi kono ardi ko jogade tiba sa ala tiba ma ala ko mbatta falantere wadde so ɗemɗe goɗɗe ɗe goni palanteje ɗe ganduɗa eɗen jurnoro ɗum aduna o yaato kam ɗemgal meɗen nde woni tiba meɗen yimɓe cakko hen ko ɗum ɗon woni alhaali o mi anda somi jabtinane mi jabti woɗimachallah mi ɗesi haalde kono a jaabima ha moƴƴini ɗum kadi a masi ɗum noon sokhna Hawwa bisimilla ko wallay ko kalɗa ko ko gonga ay joni sen kaali a wi wonde aɗa waɗa mathématique e poular walla aɗa waɗa ɗum ɗon wiyete aɗa waɗa science et poular yimɓe foof gonata wiidema wonde ko poular wawa nawde science poular wawa ɗuminde ɗum par ce que en koolaki koye meɗen c'est par ce que les autres quand ils sont venus nous ont colonisé que ce soit les arabes ou les blancs ils ont dit qu'on n'avait pas que nous sommes pas assez rentrés dans l'histoire comme si un peuple pouvait ne pas faire d'histoire mais en nous-mêmes on a intériorisé ça eden jawi koye meɗen eden mi anda sa hayno sa nani tan no yimɓe kalirta e sa haali poular par exemple sa jogima poular baɗo no poular am woni par exemple hay goto wiyatama haydar les gens ils trouvent même ça chou tu vois ko le fait que mi haalata poular laaɓɗo no feewi tout ça mais sa waɗi faute goto e français alors que wona ɗemgal ma yimɓe gonatke e ɗumindem mi anda on te ridiculise presque comme si t'avais pas atteint je sais pas un certain niveau de civilisation parce que à halata tu écris pas en français académique à halata dum do hen ne moddu ko ala ko demgal ma a wawa halde dum a wawa jangude dum et tout ça quoi mais donc c'est ce qu'on appelle du racisme intériorisé quoi. Donc en parlant de ça aussi, est-ce que quand tu as écrit tes livres, est-ce que tu as eu beaucoup de mal à trouver les mots? Est-ce que, ouais, des fois, je ne sais pas, est-ce que... Parce que la science, ce n'est pas juste une nomination. Il faut aussi pouvoir traduire l'idée de ce que ça veut dire. Et cette idée, il doit avoir une espèce de foyer naturel où il peut s'intégrer et où il a un sens. Est-ce que quand tu as écrit tes livres, est-ce que tu as eu beaucoup de mal à le faire, ou tu as eu à jongler ou à bricoler, ou est-ce que c'est venu naturellement? Ah oui, ça c'est une excellente question. Alors, il y a une chose. La plus grande étape dans ce projet, c'est d'avoir le courage d'écrire quelque chose
surtout le premier livre qui était une science supérieure, un niveau supérieur. Parce que, enfin, j'ai expérimenté l'idée, j'en ai parlé, mais parce que tellement, et tu en as parlé un petit peu, tellement l'entourage va te, voilà quoi, va te décourager, va juste négliger l'idée, et voilà, ça ne va pas parler. Je parle de l'entourage, des premières discussions et tout, que ce n'est pas facile d'écrire ça. Mais c'était la seule, disons, c'était le seul défi, en fait, majeur. Le reste, quand on connaît la langue, j'ai eu la chance de travailler avec le Poulard. Et ça, si je le dis, ce n'est pas par chauvinisme. Si je le dis, c'est parce que, en fait, il y a une technologie déjà disponible. Si je parle de technologie, je parle de technologie linguistique. Pour peu qu'on est au courant de toutes ces choses dont j'ai parlé, toutes ces classes nominales, etc. On peut trouver une autre langue qui n'est pas classificatoire ou dont la classification ne fonctionne pas comme on vient de le présenter en Poulard, mais qui pourra avoir d'autres choses à exploiter. Ça peut être plus ou moins dire à exploiter que les classes, etc. Mais il se trouve que les classes sont beaucoup plus simples à utiliser dans ce contexte parce que ça classifie et la science aussi classifie. Donc, il y a un accord qui est très, très profond entre les deux. Donc, j'ai de la chance d'avoir un objet comme ça devant moi. Alors, ça, donc, c'est la première simplification. Maintenant, sur les mots, encore une fois, non, ce n'était pas très compliqué de trouver des mots parce que, premièrement, j'avais... je ne peux pas dire que j'avais une bonne formation en Poulard. Hein. J'ai appris le Poulard avec ma grand-mère. Tu as une bonne formation en Poulard. Ça, on va dire ça quand tu es de moment en plus. oui, mais voilà, par exemple, il y a Abdoulaye Diagne qui est beaucoup plus au fait. Voilà. Ce qui se passe, c'est que j'avais quand même un vocabulaire assez riche. Et je ne reculais pas devant les nuits blanches. Donc, ça, c'était extrêmement important de trouver les mots, de les détacher parfois de ceci et cela. J'avais pas mal aussi de documentation à l'époque. Voilà, j'étais bercé aussi dans la littérature Poulard, etc. J'ai appris à écrire le Poulard avant d'écrire n'importe quelle autre langue, avant d'aller à l'école. Parce qu'il y avait ma grande sœur qui fréquentait l'école du village, et quand elle revient la nuit révisée, j'étais encore, j'avais peut-être 4-5 ans, je révisais avec elle en gros. C'est comme ça que j'ai pu écrire le Poulard, au niveau où je pouvais l'être. Hein. C'est après que j'ai parfait ceci. Mais je me rappelle qu'à la deuxième année primaire et tout ça, déjà j'écrivais des lettres en Poulard, plus ou moins correct, mais quand même, alors que, voilà, ce n'était pas le cas en français ou en arabe. Donc, il y avait déjà ça, il y avait j'étais imprégné quand même beaucoup de la langue, et ça a beaucoup facilité. Maintenant, sur les mots, c'était une étude extrêmement, à la fois scientifique, parce qu'il faut, encore une fois, dès que j'ai dégagé cette ligne directrice, que notre façon de faire est plutôt classificatoire, que ça, c'est une chose vraiment à ne pas négocier avec ça. Qu'il y a en Poulard la dérivation. Et là, peut-être c'est le temps de vous présenter un peu ce que c'est que la dérivation. La dérivation, c'est donc ces morphèmes qu'on intercale entre, qu'on colle à la racine. Par exemple, si je prends le verbe wadde. Wadde, ça veut dire faire. Je peux inclure la manière de faire en disant wadir, wadir ses, wadir ni, wadir na. Wadir, c'est what, j'ai intercalé le ir, et ça inclut tout de suite la manière.
je peux mettre hors, c'est-à-dire wador, c'est-à-dire profiter de l'occasion pour faire. Je peux faire an, wadan. Wadan, c'est au profit d'un tiers. Je peux faire oi, qui décrit, par exemple, si je dis wadoid, c'est au futur. Je peux mettre tout, qui décrit la répétition, watude, par exemple. Je peux faire un morphème de combinaison, d'où, si je fais wadude, donc tu combines deux choses. Je peux faire un morphème de réciprocité, de symétrie. Si je fais par exemple ondir, c'est wadondirde, wadondirde, jam, bonne, etc. Je peux faire le kin, et le kin c'est un petit peu faire semblant. Je peux faire par exemple watkinade, etc. Je peux faire le in, je peux faire le nu qui est faire, wadnudnedhun. Mais l'essentiel c'est aussi que je peux les combiner. Par exemple, je peux mettre le tu, le an, le ir, le an, le oi en même temps et je peux, par exemple, créer le mot wattamiroid. Wattamiroid part de wadde et là, j'ai intercalé enfin, une séquence de dérivateurs. Et ça, c'était des choses qui étaient aussi à ma disposition. Donc, si je prends un radical, même si a priori, il n'est pas très au fait pour parler du concept, j'ai encore cette technologie que je peux utiliser à chaque fois pour l'orienter vers la chose que je voulais. Et c'est ça mes outils. Hein. C'est la classification, les dérivateurs, etc. Donc, encore une fois, si je n'avais pas cette technologie, ça pourrait être beaucoup, beaucoup plus... Pardon? Non, je quitte. Quand on a un nom, on a Paris. Voilà, oui, si j'avais pas ça, ça pouvait être beaucoup plus compliqué, mais vu que j'avais ça déjà, bon, disons que voilà, la création du voilà, maintenant c'était juste le choix et il faut avoir un peu de pratique là-dedans et bon, voilà, c'est plus ces choses-là. Donc à vous maintenant de juger si c'est compliqué ou pas. Ma wanel de notre masopéri. Jono Cherno Momodou eden gandi ko demde meden en Afrique bon hande gam jitten donc yeru pularo wonno jangirtino a jono ko kalda hen ko dudde meden tan gonden te dudde de gadi sa jeewi janginobe hewbe hen hande wana janginobe humfisibe do ganduda ko be mbiyar ko l'éducation formelle c'est-à-dire ko ngala tan di dum doji en bindira c'est-à-dire ko kadi men wonno jangiri kadi wonno janginirta ko dudde joni non gande kesse de do de ganduda e ko ngaddudon deedo gande kesse ko holno pamirda walla holno miijorida beedo hol heblangu be poti wawde heblede ngam wawde hutoraade wattu hutoraade deedo gande kesse ngam kadi wawde famminde dum sukaabe be jenginde be il faut que sabu daw il faut que mabbe keble ko be mbiero ko so dole donki yo dole kebbo kono non yaaro dole kebbo roode de keblo noma ngam wawde hebbu yaade ko foti hebbu yaade ko so nyoddi donc kambe janginobe be kambe heblobe be hol kabbirde walla hol peje de be mbayi rokede habbe mbawa hebludu sukabe be taw tigi ene yaade e gande kesse de e karallagal kessal. Oui, ça voilà, ça c'est une question voilà extrêmement pertinente et, avant de te répondre de façon générale, je vais dire par exemple en ce moment je suis en train de programmer avec une association Poulard très connu, quelques membres de Fête de Fulbe Italie, pour profiter de cours en janvier, former quelques enseignants, parce que c'est des gens qui enseignent le Poulard depuis, voilà, quelques enseignants en mathématiques élémentaires pour développer cette composante dans l'éducation. Et ce qui se passe, c'est que quand j'ai écrit les Gandhi, c'est-à-dire le deuxième livre. J'étais plus guidé sur l'aspect pédagogique parce que je sais que c'est très compliqué s'il n'y a pas une structure derrière d'organiser une formation des maîtres, des enseignants dans le voilà en Poulard, etc. Donc il fallait donner le maximum possible
que ce soit les illustrations, voilà, travailler les idées et tout, pour que la personne, au moins, si elle est un petit peu indépendante, puisse quand même acquérir non seulement le savoir, mais aussi une façon d'enseigner cela. Donc, voilà la chose. Je crois que organiser déjà une formation de ceux qui ont déjà la méthode, c'est-à-dire des anciens professeurs ou des les actuels professeurs de mathématiques ou de sciences, peu importe, qui ont déjà la pédagogie, à juste savoir ou acquérir la façon du poulard, donc toute la technologie que j'ai parlé ici, la technologie linguistique, et le vocabulaire, le lexique. Une fois qu'ils ont cela, essayez par exemple de partir d'eux pour diffuser dans les associations, parce que ce sont les associations qui enseignent pour le moment. Je crois que c'est la meilleure stratégie, parce qu'eux, ils ont déjà la pédagogie qui, franchement, pourra s'adapter facilement parce qu'ils ont la pratique, ils ont tout ça. Il leur manque parfois, il y en a qui sont chevronnés, hein, si je prends par exemple Bokar Ahmed Ba de Mauritanie, qui est un ancien professeur de maths et un poularien qui connaît tout ce que je suis en train de dire là. D'autres qui n'ont pas la chance de connaître le poular, il faut ça dépend de la langue, il faut leur apprendre le poular et la façon de la langue de travailler, la façon de travailler les sciences que la langue dispose. C'est essentiellement ce fait-là. Dit comme ça, ça peut être perçu comme, je ne sais pas, quelque chose de compliqué parce qu'il y a quand même une organisation qu'il faut avoir. Mais je crois que c'est la façon la plus simple, parce que s'il faut appeler les gens à l'école et essayer, ça demande un certain budget et ça demande une certaine organisation que nous n'avons pas encore parce que les États ne veulent pas encore financer. Par contre, partir déjà de la pédagogie existante et juste faire une formation en langue scientifisée là, ça peut être la meilleure façon, le chemin le plus court pour diffuser la pédagogie des sciences en langue. C'est une méthode provisoire, mais que je crois va faire ses preuves. Et je vais évidemment la tester dans courant janvier avec ce groupe. Ouais. Micro. Ah ouais, ton micro est fermé. Alors, on est en train de vraiment de dépasser largement notre temps, mais moi je pourrais t'écouter toute la nuit. Pas là. Si vous êtes partant, moi ça me va. Donc du coup, une des dernières questions qu'on a, c'est comment est-ce que sont accueillis tes travaux en Afrique et dans le milieu académique en Afrique? Ah, dans le milieu académique, très bien. J'ai fait deux présentations à l'université Terrantejo. En 2016, c'était le point de départ. Pardon, j'entends ma voix. Ah oui, non, l'écho. Oui. Ok, bon, c'est pas grave. Donc, en 2016, il y avait ça. Oui, là, ça va. C'est bon? Ouais, là, c'est bon. En 2016, donc, il y avait cela et c'était le premier contact avec quelques universitaires. Bon, évidemment, quand on m'avait invité à faire cette présentation à l'UCAD, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que je vais parler? Qu'est-ce que je vais parler devant ce public qui sera, il y aura plein d'universitaires et tout. Qu'est-ce que je vais parler? C'était une question extrêmement... Voilà. Après beaucoup de réflexions, je crois que même une fois arrivé à Dakar, j'étais à l'époque à Paris, mais une fois arrivé à Dakar, j'avais pas encore la réponse et je devais présenter bientôt, donc il fallait faire vite quand même. Et j'ai compris que, en fait,
De la même façon qu'il faut vulgariser la science au peuple, il faut vulgariser la langue à l'élite. C'était ça le point. Et c'est pour cela que j'avais décidé d'axer ma présentation sur déjà la complexité de la langue. J'en ai dit quelque chose aujourd'hui. Et essayer de décortiquer, de mettre en relation avec la science. Voilà pourquoi le titre de mon exposé à l'Université Cheikh Anta Diop, c'était, en 2016, c'était le génie africain, le génie descriptif des langues africaines comme facteur d'acquisition des sciences. Donc, c'était un titre provocateur quand même, parce que je me rappelle que dans mon entourage, c'était que, voilà, les sciences, là, on peut vous donner un peu de charité et faire un peu de trucs, mais n'y pensez même pas. Donc, le génie descriptif des langues africaines comme facteur d'acquisition des sciences, c'était un titre, voilà. Donc, quand j'ai commencé à exposer, il y avait une grande attention et on m'avait donné quelques temps. Mais je me rappelle bien que quand j'ai voulu sauter des pages pour me conformer au temps imparti, les gens réclamaient de présenter tout. Donc, c'était déjà quelque chose de gagné parce qu'ils étaient en train de découvrir, pas pour tous, parce qu'il y avait d'éminents linguistes là-dedans, mais pour beaucoup, qu'est-ce qui était dans la langue. Et c'était un point de vue que j'ai voulu adopter. C'est-à-dire, au lieu de parler des langues par-dessus, dire, voilà, on est bien cultivé et tout ça, les langues sont vulgaires et tout. Non, j'ai pris la position de montrer comment on ne comprend pas les langues, comment elles sont complexes et comment elles disent des choses que si on nous donnait aujourd'hui l'opportunité de fabriquer une langue, on n'en ferait même pas la moitié. C'était ça, mon point. Et quand j'ai fini, il y avait eu, le contact était déjà là. Donc, j'ai eu pas mal de discussions avec d'éminents professeurs à l'Université de Dakar. Et on a discuté, j'ai discuté avec un géomètre qui me disait, alors là, je ne savais pas que le poulard suivait comme ça les dimensions, le caractère filiforme, étendu et tout ça. Moi qui suis géomètre, je pense que si j'avais fait des mathématiques en poulard, j'aurais résolu la conjecture de Poincaré. Alors, la conjecture de Poincaré, je ne vais pas vous dire qu'est-ce que c'est, mais c'est une conjecture, justement, qui est topologique, qui dépend de la forme et tout ça. Et il a parfaitement raison, c'est une bonne intuition, parce qu'une langue qui capture autant la forme et les transformations est une langue extrêmement adaptée pour comprendre ce qui se passe dans certains problèmes. Et donc, c'était déjà quelque chose. Et là, maintenant, quand le deuxième livre est sorti et que cette association-là que je remercie, qui s'appelle Godal, m'a invité à Dakar pour faire la présentation, il y a eu donc d'éminents professeurs aussi, le professeur en question et d'autres qui sont aussi très, très connus au Sénégal, qui sont venus pour, voilà. Et après, on a pu discuter. Donc, dans la classe universitaire, c'est plutôt quelque chose qui est bien reçu, extrêmement bien reçu, et il y a un engouement envers ce travail-là. Maintenant, à côté, il y a la classe politique. Là, c'est plutôt autre chose. C'est autre chose. Là, je me rappelle quand même qu'il y avait des Maliens, enfin, un ancien ministre de l'Éducation nationale du Mali, qui s'appelle Adama Samasekou, je crois qu'il était aussi à l'UNESCO, je ne suis pas directeur de quoi. Bon, c'est un chantre hein, des langues africaines et qui était extrêmement, intéressé par la question. D'ailleurs, il m'a invité au Mali par la suite et tout ça. Il y avait des Algériens qui se battaient pour la langue berbère, qui était là au Mali et qui était extrêmement intéressé, qui me disait, bon, explique-nous ta méthode et on va essayer de transposer. C'est-à-dire que dans la classe intellectuelle, dans la classe, disons, universitaire, je ne dis pas intellectuelle, universitaire, c'est plutôt bien reçu.
D'accord. Do hawa bidan non ngandi ko tan o gasi kono non ko bilti bili fof ma en baden. Seydi Sy ko be kewi de ko adandi neddo fof kam de ay won be tay wala won adibe. Eden yo Allah bumu je mabbe ko wayno Cheikh Anta Diobe won liggeyaji ligino. Ko wayno Mamadou Samba Diop murtuden won liggeyaji ligino. Kono non ndeysan ko wete ko hande so be jodino mabbe beltante be popban ma kelle tigrigi no murtudo werni popbenemo beltono de Allah. Machallah. Kono non ko pular yoro ko gawo murtode tawetake cionyal sabu murtoki adandi adandi ne juuti ko jinni wiide ko tan e darndeji mabbe hanki kambe e golle mabbe walla holko be liggeyaji mabbe di ligginodi ayino be liggortononi won ko be kawraano won aduno fo e saha mum saha fo e jamaanu mum jamaanu fo won yontabe an hande ne won ko Allah rokkuma won jamaanu kawruda mbete jamaanu ma mo kawruda o wonbe choynida sukabe be ganduda walla ko yontaji maade beedo so min baddi jungo e faandu ko min jidi yade ko maya walla ala ko tigirigi ko miijida ko parce que na way taw kambe be jogi gande godde kono non be jangi dum ko e demde godde donc wana no gummurida ni annene holno miijurida wawde rendindi ko sari ko fuf mbada dum habbere ha mbawa danje vraiment dole ngam ko batta do ko ara fuji ko mbiyar ko dole dingu ko ndiyam c'est à dire ko ada fori danje wallidibe ada fori danje liggotobe te won be ganduda da mbawi ko no biida ni won wawdu hono ko bawda ko kono non ma rogo pellital gal e yakare nde woni ko fotani taw hol sembe mu ganduda walla hol era mo bawda wadde e yimbe be mbete eda mbawa notade tigrigi e golle de gollataade ngam wawde wallude ma ko be mbiyar ko gudi didi ko juri didi habbar wudere ko juri didi popata mbete kadi golle made ene bewdo wawde yubudi e darnde made ay dum ko namdal mawgal kati hande kay joddimi do ko jabulul rabbi sabo taw ade haa wanyibde telephone gaji meden o wi'a ngani ngi dabbidin hiri e ko gonga alay sabu yimbe dani hen no aha joni ko buru wanda ba ko ko adi fof ko yimbe ngan won haluluji bin ko haluluji hanki jawta binni ko yawta hande ken yimbe hemre meden won teme dende meden temi nande meden nogas e goobe 21e siècle won ko halteno natti wawde yaade hande mo yimbe gono demde science demde dum natti wawde wonde si yimbe jidi wadde hunde mbadi hen pellital muwen ko honata eden jogi kabirde muwen eden bawi eden jogi yakawere mudum energie mum eden jogi fof ko faati non e sukaabe hande min kam kalammi ko gandumi de tawno burmi jotondirde koy gollotobe demgal pula eden jogi hande sukaabe be ganda ne ndari no feewi e demgal e be cim mi limta tan Helmer Water gomu fuloy wittu ko gom wangu fayit ganda ne gollo e fulde gande e ko ay wonde fof e der demgal pula heddino wadirte goddum dum ko namde godde kono non chaasam dam nan don yimbe ni kirji hirjer de nan don ew heddi tan ko alay sab yimbe jeewu dum do fof mbaasa wadirde dum tan e wadde tan serta hen kala ko yimben bada yo badir dum gandal ko dum don woni ko larto ko dum kadi woni ko yahata ha luggida ko ko heddi mbeda ewno yimbe be mbeda ewno tan yimbe be e kalto be ngoni yobe jeew kala kene beyda demde de woni ekolaji pular woni dum do e koy non gure e ganda wonde mbadi ekolaji pular yobe mahan dedo koto padlam lamu nana ga habe yimbe kab mudum kono hoten pat tawno gure meden en badi hen forsuji en badi won addube hen kura taw koy dum do taw koy warnyede mumen won mahbe hen ekolaji ko warnyu won wabbe hen dispensaire ko
hono den gede non ne poti wadede kede demde he so yimbe ne jogi e dude yobe ma be njoba jenginobe jenginanabe demde mabbe dum don hoto faddum e lam dum ko dum do dimmo ko heddi non ko faati e jokkondiral hakkundam e yimbe wadde gon koy tafde wona gede kewde de ganda mi wawata halde dum don ah ko non e yo mbodomi tafa dum dum don non won e der hen woni fandarnde ko hokkude tan bertateeri mawdi tani ganda wonde ko gande de yimbe kala do de golle mumene fofof tawane mbawa en wawa tambade dum e der hen non moni fof ma heb hen darnde mudum de fadde jortone joga jortone joga kati nani hen ligge nani hen ligge kati minni to bangi kam sukabe kala hen no jomum wadirta min kam bedo jogi jort mawdo sukabe yontande beden hande de ko yontande wande fayit to bangi to odon bangi heddi ko alay sagu yimbe jogo dowol modjol woni in bonne méthode sen dañi dowol modjol e pino wodi won wodbe en mbawi wadde dum ma dum ar ko gede ne ganda wande chatada hande kon non ko ilawol ngol ay a jarama seydi si en ngari non tan ha hankantin to hirde meden juuti donc c'est que je en fait si je continue à faire ça je vais commencer à parler votre tête présentatrice et poulard hein? je m'impressionne moi-même tu vois. Donc on va passer aux questions internet. Pose une question, mais on va prendre trois questions. Et one net gote ne vient dit que Mohamed El Béchir Bal, ouima que ouheban defter mako. Donc j'ai transmis, tu vois. Il y a des de vous defter mako. Madame t'en a donné gan de dire mato. Alors il y a une question de Baba Touré qui dit une question. Est-ce que vous avez un écho favorable de la part des organisations poularophone comme Tabitha Poulago, entre autres, pour mieux vulgariser le lexique mathématique que vous avez commencé à faire? J'ai eu pas mal de messages venant de toutes ces structures-là. Et toutes, sans exception, ont montré un grand enthousiasme parce que c'est des organisations qui vraiment veulent travailler la langue et tout ça, très active. Maintenant, sur la vulgarisation, les plateformes manquent de plateformes. Et ça aussi, il faut qu'on mette ça en place. Donc, il y a des structures qui manquent. Mais ça, c'est vraiment de l'ordre de l'organisation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut juste initier. Et je crois que dans un an ou deux, on dépassera cette affaire-là. C'est une question de... une question voilà. De temps. De temps. Je suis désolée de te couper parce qu'on a encore deux questions et on a largement dépassé le temps. Ah, et oui. Il y a des gens qui demandent aussi comment ils peuvent obtenir tes livres. Donc, alors, si un lien, voilà quoi, non, on peut, demain, on peut, enfin, après, tu peux mettre un... Dans la conversation, dans le chat, comme ça les gens ils peuvent aller directement. Voilà, on peut faire ça. Comme ouais. Ça, on peut. Oui. C'est, je pense que c'est plus simple. Et puis il y a quelqu'un qui dit, c'est Mamadou Mbote qui dit bonsoir, docteur Si. Je trouve que les idées que vous développez sont intéressantes, seulement je les vois axées sur des perspectives et raisons de se projeter dans les sciences en utilisant des langues africaines et l'argumentaire proposé tire essentiellement ses sources sur les sciences occidentales. N'est-il pas question de lustrer l'histoire de la science version africaine? Je ne sais pas si est-ce qu'il y a une science africaine et une science occidentale. La science, la science est universelle. La science. Dès lors que, et c'est ça l'idée d'une science. Alors, dans ce cas-là, il faut parler de culture. S'il y a une science, elle doit répondre à une certaine méthode, une certaine méthodologie qui est reproductible. Enfin, les résultats doivent être reproductibles et applicables partout, etc. La troisième loi de Newton,
elle s'applique sur le serrer autant qu'elle s'applique sur le breton ou je ne sais pas quoi. Maintenant, il y a toujours une touche culturelle. Et ça, on a bien discuté de cela au début. Et en fait, il y a des manières de faire la science qui dépendent de la culture, de l'environnement. Exactement. Mais la science, c'est la science. La science, c'est la science. Cette science qu'on parle là, occidentale, depuis quand elle est occidentale? Alors, voyons, je prendrai 30 secondes pour le dire. Il y a l'os d'Ishango, retrouvé il y a plus de 20 000 ans, qui parlait de mathématiques. Il y a là-dessus des lois de l'arithmétique élémentaire, même des nombres premiers. Ensuite, il y a l'Égypte antique. Et puis, elle date quand même de je ne sais pas, de combien de milliers d'années? De plus de 20 000 ans. C'est-à-dire voilà. L'époque où, voilà, c'est extrêmement, voilà. En fait, les Blancs, en ce moment, ils n'existaient même pas. Non, ça n'avait pas ce sens qu'on lui donne aujourd'hui. Et il faut partir à Bruxelles, vous allez trouver cet os là-bas. Alors, ensuite, il y a l'Égypte antique, développement des mathématiques et de bien d'autres choses. Je passe. Il y a, à partir de l'Égypte antique, une diffusion dans la sous-région. En Grèce, c'est le lieu où les choses se sont encore, on a repris les choses pour les redévelopper. Donc, cette science-là qui vient du fond de l'Afrique, développée en Égypte et redistribuée par la puissance de la civilisation égyptienne un peu partout. Et là, à partir de la Grèce, quand les Arabes sont venus, ils ont tout repris. À partir de l'Égypte, de la Grèce, de Bagdad et tout. Ensuite, quand il y a eu la Renaissance en Europe, les gens ont repris ce que les Arabes avaient. Voilà, les Arabes, ce qu'ils avaient amené en Espagne et aussi dans le sud de l'Europe, ils ont tout repris, ils ont développé. Et maintenant, avec cette puissance coloniale, blablabla, voilà, mais l'aspect scientifique de la diffusion, elle est maintenant redistribuée dans le monde entier. Donc, parler de science occidentale n'a juste aucun sens. Aucun sens. Il y a une science et la démarche historique veut qu'il y ait des pôles de développement prononcés, une activité scientifique prononcée et qui peut être, je ne sais pas, attribuée à une culture ou pas, mais il n'y a pas de science occidentale, de science africaine, blablabla. Il y a juste, des phases. Oui, encore dernière question. Je pense qu'on a déjà répondu à ça. Alors, ce dont on parlait tout à l'heure, hein, ce racisme intériorisé, il y a un commentaire qui dit « Nos langues ont toujours été des langues de la vie sociale ». Ils n'ont jamais été orientés pour développer la connaissance. Bah, le truc, le social, c'est pas des connaissances, mais. Non, mais tout d'abord, c'est comme, voilà, on était en train de construire notre château et il y a quelqu'un qui vient et qui tourne ses yeux. Ce château n'existe pas. Non, on est passé 1h30 pour expliquer comment les choses se forment et tout ça. Donc, je vous renvoie à la vidéo s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, mais... Voilà. Voilà. Alors, le dernier commentaire, vraiment, comment convaincre la jeunesse peul, quasiment déracinée et désorientée de ses bases linguistiques à renouer avec le poulard et s'en servir positivement? Tout d'abord, il faut que les gens... parce que on respecte des choses qu'on trouve compliquées. C'est un peu ça. On respecte des choses qu'on trouve compliquées. Qu'ils essayent juste de... Pour rendre le poulard plus compliqué, c'est ça? Non. Pas plus qu'il ne l'est déjà. Je t'assure que moi, j'ai vu, Abdoulaye doit aussi le savoir, les étudiants de l'UNALCO. J'ai vu des gens apprendre le poulard qui n'était pas leur langue maternelle. Je vous jure comment ils galèrent avec les classes nominales. Je ne parle même pas de la conjugaison et tout ça, on n'aura pas le temps de faire un cours. Mais qu'ils essayent d'écrire correctement un poulard, ils commenceront déjà à respecter la langue parce qu'ils verront que, voilà, c'est pas sans foi ni loi. Voilà, ça c'est la première des choses. Et la seconde, il faut qu'ils essayent de comprendre l'histoire parce que la méconnaissance de l'histoire, si on prend juste le résultat de la construction historique, comme une vérité, on ne peut rien faire, on est un peu perdu. Il faut décortiquer l'histoire, voir
l'évolution des langues, comment les choses sont arrivées, comment on en est arrivé là, se poser la question pourquoi le latin qu'on considérait comme, en tout cas en Europe, comme la langue, profonde par excellence, blablabla, est aujourd'hui décédé. Voilà, il faut se poser des questions comme ça. Comment des langues vulgaires comme le français et tout ça ont cette puissance aujourd'hui? Et ils pourront comprendre qu'il y a une chose. Premièrement, la difficulté à faire, l'incapacité à faire n'est pas une preuve de l'impossibilité. Si les gens sont incapables personnellement de faire quelque chose, il ne faut pas qu'ils en déduisent que c'est impossible. Ça, ce n'est pas bon. Les gens qui disent que les langues ne sont pas scientifiques, etc., la plupart ne sont même pas scientifiques. Ils ne savent pas. Je leur donne un exercice de mathématiques, ils ne pourront pas le faire. Donc, comment juger de la faisabilité de la faire dans la langue poulard ou pas? Donc, il faut qu'on arrive à un stade où, si la personne ne sait pas faire, qu'il dise juste de façon honnête, moi, je ne sais pas faire, je ne vois pas comment ça se fait. Mais impossible à faire, là, c'est à toi de justifier parce que, voilà, ça c'est un. Et deux, encore une fois, cette affaire tu as parlé du racisme intériorisé, il va falloir qu'on se soigne là-dedans. Il va falloir qu'on se soigne intérieurement parce que il est quand même hallucinant de voir la personne se rabaisser autant si on sait la place de la dans la culture, la place de la culture dans l'être humain. Il est quand même hallucinant de voir la personne se rabaisser autant, de se priver d'avoir un point de vue philosophique, scientifique sur le monde, alors que ses ancêtres ont construit ces choses-là. Et en parlant des classes nominales, je n'ai même pas pu aller plus loin parce qu'on est en train de dépasser, ont montré cette capacité-là. Et quand on revoit les classes nominales et qu'on essaie de comparer avec la science, on détecte cette activité scientifique qui ne pouvait qu'être, comment survivre dans le monde si on n'a pas un œil scientifique. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'il y a plein de choses sinon que je vais développer. En tout cas, Mine, je découvre beaucoup. Moi, ce que j'aime plus Ender Poulard, ce sont ces tous des concepts qui sont encapsulés comme ça. Par exemple, dernièrement, j'étais à une conférence sur l'intersectionnalité, c'est-à-dire que comment les oppressions sont multiples sur les femmes noires. Et tout d'un coup, je me rends compte qu'en fait, c'est quelque chose que les Peuls avaient conceptualisé. C'est-à-dire que quand ce Bambi Wande, Tupac, Wai, Chapat, Chapat, Wai, Balej, Wai, Devumudu, c'est ça l'intersectionnalité. C'est-à-dire que c'est comment des oppressions se mettent les uns sur les autres. Ça a l'air comme ça tout bête et c'est hyper drôle quand on le dit. Mais ça explique vraiment des choses. Moi, je trouve ça hyper fascinant, quoi. Donc, Njange Poulard, Njange Poulard, et vraiment, je te remercie beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Et Ablaye, merci d'avoir été là. Donc, m'hokuma kongul tchaki tchingul. Wallahi dum non bandiraabe on jafo debi juude kono non so tawi ko be biaro go so nyiwe teenu yi fukki may lawol teew dañama kono ko defra kadi dañama sabu ko ledde kewde ngoni don machallah bismino den do hande ko cierno men ko ciernam e kala fannu ko hore hisne ko suka ko be biaro ko non so barki fadi duubi ran jomu borama ko suka kono won ko Allah rokkimo e gandal kadi ko gandal ngal yidi feccude e bandi ko en dum wadi hay so den kala e faraisi sa hay sa fu min bod adda hen pular wala hawana adda hen pular ko ngam sabu ko dum o jeyi ko dum o yidi ko dum o tawi ko be biara ko hodo or hebe fon way dogde ko so dañi gudron buradi dum
kanko ne kala ko namda e namdo way halde anglais mo expose e français kono non so dañi halde pular o kadi ko dum yibi sabu ko dum woni darne makko dum non seydi si pullo gaynako min beltima e hirde nde bandirabe yebannobe so tawi won ko hala do ko farani halede wala won ko hala do ko wonye noppi modon ngandon ma taw ko yidde halde nde tan wadi non ko min ko jumri ko be biyaro ko so neddo wi rewata do rewano tan famdon ko hali dum non wodi ko mo julata kono ala mo jumata dum non jamto jamga jamdo hakkunde men do Yo Jam Wale, merci à Ouchan de nous avoir suivis. Vraiment, il y a eu beaucoup de hal pour la Rebe. C'est vraiment un des lives qui a le plus attiré du monde, ce qui prouve quand même qu'il y a une demande et puis que bah, les gens s'intéressent à leur langue, s'intéressent à la connaissance. Hein. Donc, bah, c'est des choses qu'on va refaire plus souvent. Et j'espère qu'Ablaï acceptera d'être le maître de cérémonie pour que ça ait un sens. Donc voilà, on jaram le fait. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Ablaï, merci Mohamed Si. Merci beaucoup. Yo jam wala nen. Merci, on jaram. Merci, on jaram. Et puis, merci à vous, Bindi Lokol Fenjabou.